quoi l'état d'esprit un peu de l'équipe et tout après cette défaite de dimanche dernier? Très en colère dimanche parce que justement l'état d'esprit était pas là. Donc l'excuse du terrain, de plein de choses, l'excuse était la même pour l'équipe adverse. En plus ils avaient un rouge. Donc ouais, l'état d'esprit vraiment. Vraiment ça m'a mis en colère. Vincent, ouais, voilà, ouais. Non. T'avais plus simple, Ray, mec, Vincent. Regarde, regarde, t'as plus simple, t'as Dylan au milieu, tu lui donnes, tu continues ta course, il te la redonne, t'es tout seul. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Allez, stop! Bien joué les gars, soufflez, soufflez, soufflez. Comme nous pouvons voir. Il n'y a plus de cheveux chez le coach. Non, le coach. Ça va chercher, ça va chercher 3 mois sans match ça. Fais attention mon gars. Fais attention. Hein, monte ton crâne de Thierry Henry. Eh les gars, j'ai une image à garder, je ne peux pas faire ça. I see the money, won't pick and roll, give and go. I see the money, won't pick and roll, give and go. I see the money, won't pick and roll, give and go. I see the money, won't pick and roll, give and go. Oh my god. 3 cars, 5 jobs. Slam door, off the law. Shorty says she got the rap. L'équipe qui met le moins de buts m'aidera à ranger le matos. Après ce match de dimanche, là, comment tu sens? Là, là, bon, nouvelle semaine, on joue le 26, va falloir travailler hein, parce que 4-0, il est toujours là, on a le temps de travailler, donc on va travailler. Ce qu'il faut améliorer, bah déjà ça va être physiquement, on n'était pas prêt, malgré comment on a bossé, on n'était pas prêt. J'ai envie de casser les couilles, mais vas-y. Vas-y, viens. Non, viens, Ibé. Non. Ibé, viens là. Il y a un plaisir, ouais, il est un peu pas trop. Il est pas trop serein, t'as dit la caméra. Là, il bégaye. C'est un nouveau aussi, c'est un nouveau, c'est normal. Ça bégue, ça bégue. D'ailleurs, montre-nous. Non, t'en as pensé quoi du match? Ah, oublié. J'ai glissé. T'as vu, je lui ai proposé de tirer avec, il veut pas. Laisse ça. On a l'académie, il y a des flashs derrière moi, pourquoi? Parce que c'est un shooting. C'est le Media Day aujourd'hui, shooting du club. On prend en photo tous les joueurs dans toutes les positions possibles, avec même des vidéos, des animations, on va dire, célébrations, etc. pour créer du contenu sur les réseaux. C'est toi le directeur artistique aujourd'hui? Oui, effectivement. Ouais. Je suis un peu le Virgil Abloh de la journée. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Et bah, les gars sont motivés, ça leur fait plaisir, donc c'est cool. Lucas, bonsoir. Ça se passe bien aujourd'hui pour toi? Bah ça se passe bien. T'es passé ou pas encore? Je suis arrivé en avance, j'ai fait mon truc, j'ai fini déjà. Ah t'as fini? Ouais, j'ai fini. D'accord, là faut que je commande les pizzas d'ailleurs. Ah, c'est pour ça que je suis venu. T'es déjà passé ou pas toi? Je suis passé. Alors, c'est bien passé? Du coup il demande quoi? C'est les photos un peu dans tout... Ouais, photos, maillot de domicile extérieur avec des poses, de profil, de trois quarts. Ouais. Ensuite, il nous a posé.
a fait une petite interview. Une petite vidéo, ouais. L'objectif cette année, c'est aussi que vous puissiez mieux connaître les joueurs, parce que souvent vous les voyez dans les matchs et tout, mais c'est pour ça aussi qu'on fait des petites interviews pour qu'on puisse mieux vous faire connaître les gens, simplement. Très important dans l'histoire du club, on va vous présenter maintenant dans cette série du coup de l'histoire du Vinsky FC le premier joueur e-sport FIFA du coup du club, et il est juste là, c'est Raphaël Sely, il est très fort en FIFA. Non, j'ai gagné. C'est Mathis, voilà, qui nous rejoint. Mathis, merci beaucoup de rejoindre l'équipe. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, et après on présente aussi Aurel, parce que Aurel vous connaissez, mais il va vous expliquer aussi un peu le rôle qu'il y a dans le projet. Moi du coup c'est Mathem, donc j'ai 17 ans et je viens de Lyon. Et donc sur FIFA je suis dans le top 20 des meilleurs joueurs français. Ok, d'accord, et c'est quoi tes ambitions pour la saison prochaine, un petit peu là, comment tu le sens pour la saison 2021-2022 sur FIFA 22? Franchement je me sens bien, je sens que je monte en puissance, donc j'espère être meilleur l'année prochaine et j'espère aller en équipe de France avec eFoot. Il l'a dit, en tout cas ça s'est balancé, c'est pavé dans la mare. Et du coup c'est Aurel qui sera le coach de Mathis. Voilà, Aurel va l'épauler, il va l'accompagner dans toutes les compétitions etc. qu'il aura à faire, s'il en a à faire physiquement, et après sinon digitalement ils vont beaucoup se parler. Aurel, comment tu prends cette mission un peu à cœur? En fait on a eu Mathis l'année dernière qui nous a représenté, et je me suis dit, j'ai proposé à Vincent l'idée d'avoir un coach, et j'ai proposé après à Matt qui m'a dit oui. Donc du coup on est parti pour cette saison, on va voir ce que ça donne. Ouais. En gros, Aurel il a vraiment l'âme d'un coach, il a dit voilà. Il a été coach pendant très longtemps au basket, il kiffe ça, donc il aime bien cette mission là, il va l'avoir avec Matt. Bah Matt, voilà, belle année avec le Vinsky FC. Dans les commentaires, souhaitez-lui la bienvenue, c'est super important. Et d'ailleurs, super important aussi, il est ultra actif sur Twitch. Vraiment, il a une communauté déjà sur Twitch, il a pas mal de followers. Dans la description, je vous mets sa chaîne Twitch. Allez vous abonner, allez le suivre. Toi, tu stream très souvent. Ouais, bah dès que je peux, je stream. Tous les jours, en fait. Le Buc, donc un petit bled à côté de Versailles, ça va être intéressant, c'est un match de préparation, un match qui va rentrer dans la continuité du travail qu'on met pour la reprise du championnat du coup la semaine prochaine. On va essayer de faire tourner un petit peu, mais aussi c'est des choses tactiques pour nous, et puis à mon avis, de vous à moi, je pense qu'il y en a qui sont pas prêts physiquement, ouais. Donc on va pouvoir tester ça aussi. Ce soir, le One Football Challenge, il sera durant le match, c'est assez original, d'habitude on le fait à l'entraînement avec des challenges. C'est Vincent, le capitaine de ce soir. Vince, la petite reprise tranquille comme ça là, petit match amical. Match amical, on va essayer de prendre du plaisir et puis de gagner, ce serait bien d'ouvrir le compteur des victoires. Marquer, gagner, ce serait important. Prendre du plaisir, marquer et surtout gagner ce soir. D'ailleurs, je pense que je voudrais vraiment que vous marquiez beaucoup de buts, parce qu'en fait, sur OneFootball, quand on check l'une des meilleures équipes du championnat français, c'est-à-dire le PSG, voire la meilleure sûrement, on peut voir que au niveau de la moyenne de buts, on a 3,2 buts par match. Je vous donne le défi de faire au moins aussi bien, c'est-à-dire mettre au moins 3 buts ce soir. On a besoin de marquer des buts, l'objectif il est largement tenable. De toute façon, il faut qu'on mette des buts ce soir. Va t'échauffer Vince, et je suis content sur toi. Let's go!
À la mi-temps, franchement, déjà je suis très content pour Nathan, ça fait plaisir, il a marqué un but. Dommage qu'il marque pas le deuxième, ça aurait été top d'avoir deux actions de but. Sinon, c'était bien, on a eu quelques actions. Non, c'est... tu vois, en fait, c'est... On sent que c'est bien, on sent qu'il y a une bonne base. Mais voilà, il manque le petit truc, quoi, le petit dernier truc où on peut vraiment enchaîner et peut-être mettre trois. Enfin, ça peut mettre assez rapidement 2-3 buts cette mi-temps, mais c'était bien. Bon, premier but de la saison là. Premier but en amical, j'espère. Il est bon en plus. Ouais, c'est Axel. Je frappe quoi. C'est plaisir. Petit filet. Je peux pas poser de questions. J'aurais aimé mettre le deuxième. Mais je pense que c'est. C'est pas un manque de lucidité. En fait, je l'ai croisé, mais peut-être un peu trop. Et voilà. Après, il était pas facile non plus. T'as le mec qui revient derrière il fort. Il revient hein. Bien et il y a derrière le truc, tu vois. Donc les gars, m'allumez pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai fait ce que je pouvais pour l'équipe. Clean sheet, elle est où là? Tu as pris un but ouais, quoi? Ouais, c'est compliqué. J'aime plus c'est quoi le but? Ah si, il a frappé au retrait.
joué la semaine. C'est bien, merci. C'est bien. Bon, du coup, fin de match, score de 1 but partout. Bon, match préparation, c'est cool, dommage, on a peut-être pu marquer un ou deux buts de plus. D'ailleurs, le challenge World Football n'a pas été validé. Non, je ne valide pas. Malheureusement, il n'y a pas eu 3 buts dans le match pour nous. Mais c'est bien, et surtout Nathan qui marque, c'est bien aussi. Moi, j'attends le but de Raïm, parce que je sais que Raïm, ça commence un peu à lui trotter dans la tête. Il voudrait marquer quand même. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué de but et je sais que ça lui pèse un peu. Donc je pense que le prochain match, ça pourrait être cool qu'il marque, mais sinon, dans l'ensemble, c'est cool. Je vais valider. Et Aurel, je sais pas s'il a validé pas. Aurel, toujours pas de victoire à ton actif là ? Toujours pas, mais ça s'améliore. Match nul. Match nul, ouais. Mais je pense que la prochaine fois, ce sera la victoire parce que ce sera le plus important, c'est en championnat. Pour championnat ? Bien sûr que oui, je vais revenir pour championnat. D'accord. T'as trouvé un appart ici ? Je pense, ouais. En fait, Aurel, je sais pas si vous le savez, hein, il habite quand même en Bretagne. Enfin, le mec, on est quand même Yvelines, Bretagne. C'est pas à côté. Un déplacement du COP, hein. C'est un vrai, vrai supporter. Un et supporter, oui. Un caméraman, un coach FIFA. Enfin, il sait tout faire. Allez, commande une KFC. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve dans le prochain pour le premier match de championnat. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche. Mets ton pouce bleu pour soutenir l'équipe. Et je te dis à très vite, commande une KFC.